Djangomenou, village situé à environ 23 km de Toumoudi, une ambiance toute particulière le dimanche 10 novembre. Les populations se mobilisent pour la présélection de la région du Bélier au concours national de danse traditionnelle à Chénou Pays. Population et participants voient en ce concours l'accomplissement de rêves, celui de la promotion des danses du terroir. Mon intention, c'est de faire la promotion des danses traditionnelles de mon village. C'est pourquoi quand j'ai appris qu'il y a un concours, j'ai été heureux de pouvoir participer à ce concours. Nous avons tendance à perdre nos cultures, nos repères, et c'est l'occasion justement de rappeler ces repères-là à la jeunesse ivoirienne. Et donc nous allons profiter de cette opportunité pour valoriser donc cette richesse. Selon la représentante du ministre de la Culture et de la Francophonie, par ailleurs président de l'édition 2013, le développement socio-économique ne peut se faire en marge des réalités culturelles de la région du Bélier. Le concours à Chénou Pays est une très belle initiative qui contribue vraiment à la promotion de nos danses traditionnelles, donc de notre culture. C'est en ce sens-là que le ministère a tout de suite capté l'intérêt de s'associer à cet événement, puisque cela cadre avec ses missions. Pour cette étape, le Goli Goulin et la Djemélé sont les deux danses retenues pour défendre les couleurs de la région du Bélier à la finale prévue dans le district d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, le 28 décembre prochain.